Donc je vais enlever ça. Je suis obligé de faire un petit démontage quand même. Hein. Voilà, ça c'est les caches, ça c'est de la décoration qui s'en va. Et après, j'enlève le tout d'un seul coup. Voilà. J'ai enlevé l'habillage. Voilà, l'idée n'est pas venue d'aujourd'hui. J'avais déjà 14 ans quand je m'intéressais beaucoup aux orgues. Pourtant, dans la famille, on traînait pas tellement dans les églises, mais ça m'a toujours impressionné, cet instrument, et je m'y suis toujours intéressé. À 14 ans, j'aurais voulu faire ce métier. Et ma mère m'a emmené chez les facteurs d'orgue, on a traîné, puis il n'y avait pas moyen d'avoir une place comme apprenti. Et donc, on m'a conseillé de faire de l'électricité, parce que dans l'orgue, à l'époque, dans les années 50, on utilisait l'électricité beaucoup dans l'orgue. Maintenant, on est revenu à la mécanique. Et donc, j'ai fait de l'électricité. Mon métier n'a jamais été facteur d'orgue, mais ça m'est toujours resté dans l'esprit de construire un orgue, moi pour moi. Et là, après, j'ai eu l'idée, l'envie de faire un orgue de barbarie. Parce que dans la continuité des choses, mon fils a fait facteur d'orgue. Lui, ça l'a intéressé aussi. Il a fait toutes ses études de facteur d'orgue, mais a abandonné après la facteur d'orgue. Mais il y avait quelques restes d'un orgue de barbarie qui était resté dans les cartons. Et puis je me suis dit un jour, il faut que je me remette à ça pour refaire complètement. Donc j'ai revu toute cette histoire d'orgue de barbarie et j'ai étudié un peu la question, comment ça fonctionnait. Évidemment, l'orgue traditionnel de barbarie, la musique se lit avec des cartons. Et moi, j'ai opté pour l'électronique. Bon, c'est peut-être pas très traditionnel, mais pour une question pratique, c'est quand même intéressant. Ça ne change rien au son de l'orgue, ça ne change rien à la mécanique. C'est toujours avec de l'air, des tuyaux, des soupapes, mais c'est simplement l'ouverture de ces soupapes qui va être commandée soit par le carton qui défile, celui que vous voyez souvent dans les rues, soit par une carte électronique qui va faire exactement la même chose. C'est moins traditionnel, mais c'est plus facile d'utilisation, surtout quand on veut faire des arrangements, des choses comme ça. Faire des cartons, c'est très très long. Il n'empêche que pour cet orgue, j'ai quand même prévu éventuellement de faire par la suite un lecteur de carton. C'est tout prévu sur la manivelle, donc ça pourrait se faire. Alors voilà l'exemple d'un fichier MIDI. Ça se présente comme un carton perforé, en fait. On va pouvoir rallonger les notes, les raccourcir, travailler dessus. Et c'est ce qui va remplacer le carton. Ah, c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre. C'est peut-être pour ça que j'ai pris. Parce qu'un carton, si on fait un trou trop grand, c'est loupé, quoi. Il faut le boucher. Il va falloir recoller un petit bout de carton. Et il va falloir faire des essais. Parce qu'il n'y a pas que la perforation des notes. Il y a aussi toutes ces notes, il faut souvent les raccourcir pour, on peut pas aligner des notes les unes derrière les autres comme ça. Il y a une interprétation quand même à faire. Donc, si je prends ici, ben, on peut raccourcir la note, la rallonger, par exemple, on peut bouger les notes, on peut les raccourcir, les rallonger, ou les changer, voilà. On peut transposer, faire plus ou moins, c'est très pratique. Mais alors, les morceaux qu'on entend dans le petit orgue, oui. Vous les avez quand même notés. Ah oui, il faut note dire. Par note. Soit j'ai pris des... Je les écris d'une façon écrite en partition, et il y a des programmes qui les transforment en fichiers MIDI. Et après, on peut les jouer sur n'importe quel instrument MIDI. Voilà, ici, si on les... Thank you.
C'est du Bach? Non, non, c'est le coucou de Dakar. Ah, pardon. Après, je pourrais vous faire écouter ce que ça donne sur l'orgue. Là, ça se... Ça, là, y a, ça le joue avec un son de piano. Alors au départ, c'est vous qui l'avez joué sur un clavier? Ah non, non, non. Non, 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 là on peut soit le réécrire après une partition, ou alors on les... Bon, ben maintenant on a des possibilités, on les trouve sur Internet directement, mais il faut quand même les travailler, parce que l'orgue n'a que 42 touches, donc il faut faire des arrangements. C'est comme si le carton défilait sur un orgue de Barbarie. Voilà, les relais dont on parlait tout à l'heure. Donc quand ils se lèvent, ça fait exactement comme sur le carton le trou. Alors dans ces relais, c'est une sorte de clapet qui se soulève, ça se passe? Oui, c'est un petit relais qui soulève une soupape. Une petite soupape. Une soupape souffle, ça permet à l'air d'aller dans le tuyau. Et là, ici, on a le soufflet. Et ben là, il y a le soufflet qui... Voilà, les deux soufflets. Pour pas que ça fasse des à-coups. Si avec un soufflet, ça fait des à-coups. Et là, il y a une réserve d'air. Une petite réserve d'air. Avec des... Ici, ce sont des ressorts. On pourrait mettre des poids qui régulent la pression. Donc il y a toujours une égalité dans la régulation de la pression. Ben oui, parce qu'autrement on aurait été... Déjà là on a des petits à-coups, mais en général on essaye de garder la pression comme il faut. Hein. Voilà, vous voyez, les tuyaux ils sont placés un peu où on a trouvé de la place dedans, pour que ça soit compact. Voilà un relais ici qu'on peut voir, ici peut-être d'un peu plus près. Alors quand il y a une note qui se fait, ce relais se lève... Et ça ouvre, ça enclenche la soupape qui est en dessous. Donc là, vous avez une petite carte SD. Oui. Et sur cette carte SD, il y a ce qui correspondrait au carton. Donc on peut en mettre 100, 200. En fait, c'est la même chose que j'utilise pour ma caméra. Voilà, exactement la même chose. C'est ça qui est impressionnant. On met tout là-dessus. Alors voilà, si je reprends le coucou de Dakar de tout à l'heure, on va voir ça.
là, le morceau continue à défiler, voilà. Sauf que si on s'arrête de... Et si moi, si je commence à tourner la manivelle, ça va envoyer de l'air dans le tuyau. Si je n'envoie plus l'air dans les tuyaux, ce qui va se passer? Et si je renvoie l'air? Là, ce n'est pas un instrument électronique, c'est une commande électronique, si vous voulez, mais c'est pas un instrument électronique. Là, on entend toujours le tempo, en fait. Ah oui, oui, oui. Ah, c'est impressionnant. Hein. Et ça va encore. La flûte traversière, ben, c'est le même principe. Hein. Vous avez toutes des trous qu'on bouche plus ou moins pour faire plus ou moins le tuyau long et pour avoir des sons différents. C'est le même principe, mais je pense pas, y a pas eu de relation entre le fait que j'ai appris la flûte traversière et l'orgue, vraiment. Il s'est trouvé qu'on avait un ami de la famille qui était flûte solo à l'Opéra à Paris, et donc il m'a commencé à m'apprendre les rudiments de la flûte traversière, puis voilà, c'est venu comme ça. Mais tout est resté en amateur pour moi, ça n'a jamais été une profession, la musique.
on a la chance d'avoir un moine qui, au XVIIIe siècle, a récolté tout ce qu'on connaissait sur l'orgue, qui s'appelait Dom Bedos. Et là, on a toute l'histoire de la facture d'orgue, même les instruments pour fabriquer les tuyaux, même les instruments de menuiserie qui vont fermer, tout est détaillé et c'est extraordinaire d'avoir toute cette documentation. J'ai cherché d'autres documentations ailleurs, bien sûr, il en existe beaucoup. Et avec ça, on se fait une idée, puis après on cherche et on bricole et puis on fait des essais, après on casse tout parce que ça n'a pas marché ou ça n'a pas fonctionné, puis après on arrive à faire quelque chose, mais toujours en amateur. Moi, c'était tout démontable. J'avais tout fait démontable s'il y avait un problème. Alors ça, c'est pas très beau, hein. C'est pas trop. Moi, ça m'a pris 3 ans, mais pas d'une façon continue, le temps de faire les plans. Déjà de décider quel jeu on va mettre dans l'orgue, parce que c'est encore, il va falloir se décider une fois. On peut pas faire un orgue de 50 jeux comme dans une cathédrale, donc on va faire un petit orgue. Moi, j'avais des contraintes, je voulais que ça soit transportable dans les concerts, qu'on puisse le bouger, qu'il soit quand même assez important pour jouer en soliste. Donc, j'ai choisi d'y mettre 5 jeux. C'est déjà pas mal, parce que ça représente 350 tuyaux ou plus, voilà. Oui, ça tient tout en dessous. C'est ultra pratique, c'était une idée à moi. J'ai fait tous les tuyaux en bois, parce que ça, c'est à portée d'un bricoleur. Bon, un bricoleur quand même un peu connaisseur, disons-nous. Et puis, tous les tuyaux, alors en étain, c'est un alliage d'étain et de plomb. Ça, j'ai demandé à un facteur de tuyaux d'orgue qui... je les ai commandés avec la taille voulue, la taille qu'on voulait, parce que suivant les tailles des tuyaux, ça va donner des sonorités différentes. Donc, il fallait un petit peu que ça passe partout. Voilà. Et puis les jeux, on les avait décidés avec un ami anglais, David Green, qui était compositeur, organiste aussi. Et on a décidé finalement tous les deux des jeux qu'on allait mettre dedans. Et on s'en est servi pour pas mal de concerts. J'ai un fils qui fait de la trompette. On a fait pas mal de concerts trompette et orgue dans des endroits où il n'y a pas d'orgue, dans des châteaux, voilà. Oui, il faut avoir un minimum d'idées musicales quand même, parce qu'on ne s'engage pas comme ça à faire un orgue sans savoir où on va. Thank you.
C'est juste à soulever. C'est pas tout ça. Et voilà. On voyait plus qu'à le descendre. C'est pas très très lourd. Hein. C'est bon ? C'est bon. Bien. Tu vois, celui-là, et le clavier, on peut le sortir. J'avais combiné ça, parce que s'il faut passer par une porte, tu passes pas avec ça, avec la largeur. Alors ça se démonte. Hop. On enlève deux goupilles. Oh là là, c'est dingue. C'était la combine du... Du pédalier, quand tu appuies une note ici, en fait ça soulève la queue de la touche ici, à travers un système d'abrégé qui réduit les distances. Voilà. Si je tire cette note, en fait ça soulève celle-là ici, avec un système de renvoi ici, on appelle un abrégé. L'ouverture, la lèvre inférieure. Oui, alors la flûte de pan, par exemple, qui a un orgue à bouche, c'est exactement le même principe. Ce sont des tuyaux de différentes longueurs. Le tuyau le plus long va donner la note la plus basse, et le tuyau le plus court va donner la note la plus haute. Et entre les deux, on va faire toute la gamme. Alors les gammes ici dans nos contrées ne sont pas les mêmes qu'aux Indes, mais on joue là-dessus. La façon de mettre en vibration, l'air dans le tuyau est différent dans un orgue à bouche et l'orgue dans la flûte de pan, par exemple, est différente aussi. Bon, ça ressemblerait plus à une flûte à bec, par exemple, parce que si j'enlève un tuyau comme celui-ci et puis je souffle dedans, voilà, ça va faire un son. Si j'avais mis des trous, j'aurais différents sons de différentes hauteurs. Et l'accord se fait, ici ce sont des tuyaux bouchés, et l'accord se fait en remontant plus ou moins ce bouchon, si on peut dire, pour l'accorder. Bon. Ça c'est une partie qui ne se voit pas, mais qu'il faut nettoyer quand même. Tous les 3 ans ? Pas fait, peut-être. Je me demande si ça fait pas 4 ans ou 5 ans que je n'ai pas fait. Oui. Il y a un moment qu'on n'a pas sorti pour des concerts, en fait. Tout à fait des flûtes en bois. Donc là, ça tient avec le support en haut et puis le trou en bas, oui. C'est tout. Ouais. Ça sent
de bon support, il n'y a vraiment rien de sorcier, hein. Et ça pose par son poids. Ça, c'est normal, ça glisse. Pour l'orgue, il y a énormément de compositions qui sont pas religieuses, hein, parce qu'il y a eu des orgues qui ont été fabriquées dans des théâtres, qui ont été montées dans des châteaux, donc on l'utilisait pas que pour la musique religieuse. Ça, même à l'origine, c'était pas du tout un instrument pour aller dans les églises, hein, c'était un instrument pour la danse, pour faire autre chose, mais c'était pas un instrument d'église. Il s'est introduit dans l'église et là a pris beaucoup d'ampleur parce que dans l'église il y avait de la place. Et petit à petit, mais au départ, c'était pas un instrument d'église à proprement dit. D'ailleurs, à la Réforme, au moment de la Réforme, on n'a plus voulu d'orgue dans les églises ou dans les temples, et les gens se sont fabriqués, on a fabriqué à cette époque plein de petits orgues positifs de 2, 3 jeux, etc., qu'on mettait dans les maisons, et on chantait les cantiques avec ça, ou alors on dansait avec. Ah bah tiens, regarde, c'est comment ça tient. On l'enlève, hop, ça se décroche. Et l'autre partie aussi, là. Et là, on fait toutes les notes derrière, et ça se divise en deux parties, toute cette partie tuyau. Alors c'est assez lourd là, il faut être quatre, et puis assez costaud, moi je peux plus le faire. Mais on l'a transporté pour des concerts, à droite, à gauche. Bon, après il faut tirer un petit peu, et soulever. C'est une combine que j'ai trouvée pour le transporter. Ouais. Autrement, ce serait impossible à transporter un grand truc comme ça. Est-ce que tu penses qu'il porte des puissances avec cette joint-là? Un tout petit peu. Normalement, c'est bien serré. Il y en a un autre qui est serré dessus, mais là, tu as vu, j'avais mis un. Normalement, ça devrait, par le poids, ça devrait faire. Mais avec le temps, l'élasticité diminue, tu vois. Il faudra peut-être changer le joint une fois pour que ça appuie bien. Ouais. Ben, normalement. Hein. Après, ça va être la quantité d'air qui va arriver dans les tuyaux. Ça perd un peu de pression parce que les tuyaux sont assez longs, là. Les porte-vents sont assez longs. C'était les combines à la Philips. Alors pour les tuyaux en bois, tous les bois peuvent convenir plus ou moins bien. Il ne faut pas que ça soit du balsa, par exemple, parce que c'est trop mou. Mais le chêne, le pin... moi j'ai mis du pin parce que il n'y a pas de nœud dans le pin, on trouve du bois sans nœud déjà, et d'autre part c'est plus léger que le chêne. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai choisi le pin. Mais souvent les tuyaux sont en chêne. En fait là ce sont les registres qui coulissent, tu vois. Voilà. On ferme toute une rangée de tuyaux, on la ferme ou on l'ouvre, toute une rangée. Allez. Très lentement, parce qu'on a l'impression que c'est très précis.
la bonne poussière. Faut que j'espère être là. Ça va arriver en face de ça. Ça va arriver en face de ça. Donc ça, on va le monter jusqu'à enfiler ça dans les crochets là-haut. D'accord. Il faut bien qu'on prenne par les traverses là, non? En dessous, tu prends quand même en dessous. En dessous. Attends. Une vis encore qui est balade là, je sais pas. Oui, sur les balades, enfin. Oui, il y en avait. Il y en avait. Attention, le moment est crucial, mesdames, messieurs. Alors tu regardes là-haut. Tu vis à peu près. Moi je suis bon, et toi? Ah oui, ça doit tomber tout seul normalement. Voilà. Pourquoi c'est bon? Ça y est. D'accord. Bien. Tu vois, je me rappelle même pas ce que j'ai fait. Attention au plafond. Oh, ouais. Ça va être bien quand même. Ouais, on a fait la poussière, mine de rien. Là, il y a des dogs, en 50 ans, ils fonctionnent, personne n'y va. Ouais, dans des églises comme ils sont tracés. J'imagine bien que. Alors. Hop. Normalement, ça devrait tomber. Il y en a qui ont descendu. C'est bon pour toi? Tac, oui, en face, et puis ça y est. Apporter le serre joint. Normalement, il faut qu'il soit en face. Ça donc veut dire qu'il faudrait presque mettre une petite cale là-bas. Ouais. Ah. Allez, ça tiendra bien comme ça. Hein. Attends, parce que. Ouais. Allez, voilà. Ouais, si c'est pas mal. Haut, là, c'est ça qui va pas. Attends, bouge pas. C'est ça qui me. Non, non, mais il n'est pas plaqué. Non, mais attends. Je suis gêné là parce que je suis trop petit. Je vais te positionner là. Là, voilà, là, t'es bon. Pour moi, mon côté. Comment je peux faire? Ouais, mais là, ça va pas. Qu'est-ce qui passera entre les deux? Non, tu vois, je pousse le tuyau là, donc ça ne va pas. Et ben là. Ah, ou alors, il faudrait changer, mettre celui-là de l'autre côté. Ben là, voilà, comme ça, on va le mettre là. Et si tu le mets dans l'autre sens, ça passera pas. C'est bon, hein? Voilà, pour moi, c'est bien, là, de mon côté. Donc, là, je suis pas voilà, comme ça. Il faut baisser plus. Tu peux le baisser ou il n'y a pas de place là? Si, je peux le baisser. Ah, voilà. On aurait peut-être dû mettre une cale là-haut plus tôt parce que j'ai peur qu'avec les vibrations, tu vois, après il se décale. Alors il faut que tu le serres bien. Non, regarde, tu vois, là il est bien et là il est moins bien. Donc... Oui, oui, mais il faut que tu le serres bien parce que tout l'assemblage se fait par le serre-joint. Oui, non, là il est bien. Là. Ou alors on peut le pencher comme ça, tu vois, pour pas qu'il. Si jamais il se défaisait, il tombe pas, quoi, tu vois. Oh, mais c'est pas lui qui tombera, c'est qu'on aura peut-être plus le. Ça suffit bien. Alors, c'est main gauche. Alors, c'est le suivant, un petit peu plus gros. C'est main gauche. Attends, celui qui est le plus gros. Le sur droite, là. Voilà, celui-là, il va aller là. Numéro 2. Le 1. Non, numéro 1. Ah. Ah non, tu as raison. Le 2, ce garçon. Non, ça doit tomber juste. Hein. Ah ouais. Bravo. Alors. Ah, c'était le 2, ça. Ah bon. Il va en manquer. Non, il y a bien 4 places. Mais ça, c'est les plus gros. Ça, c'est plus gros. Puis il y en a encore plus gros. Ouais. Et ça, c'est plus grand. Pilote là-bas, il est encore plus grand. C'est plus le plus grand. Ah bon, alors c'est des carrés.
C'est celui-là. Ben oui, il ne rentrait pas. Ah bon ? C'est pour ça que je me suis dit... Ah bon ? Attends, fais voir. Ah ben, c'est celui-là le plus haut. Ah, il n'y a pas de raison qu'il n'y aille pas. Ah oui, il y a un défaut là. On nous a piqué un tuyau. Alors, regarde. Alors, attends, je vais peut-être commencer par le ouais, grand. Vas-y, prends le plus grand de tous. Non, le plus grand de tous, c'est celui qui est là-bas. Alors, voilà. Ça s'en va normalement en dégradé. À moins que j'ai pris. On a dû en mettre deux. Hein. Celui-là, il va bien là, il n'y a pas de doute. Fais attention de ne pas les cogner parce que le moindre choc. Ouais, bah oui. Tu changes le. Ah bah même si tu bouges, tu vois un tout petit peu ça, ça y est. Là. Ah oui ? Ah oui. Non, il n'y a pas de doute, hein, c'est comme ça. Vas-y, monte-toi d'abord. Ah, on aurait pu le poser. Ouais. Monte-toi d'abord. T'arrives à monter ? Oui, maintenant. Peut-être pas le figure. Je peux lâcher sur mes positionnés. Ça va pour toi ? Oui, je vais mettre un coup. Hein. Vas-y. Hop. Et... J'ai connu une impôt à un moment où j'avais le chapeau. Un endroit, ça va. Les tuyaux, je les avais serrés, là, pour pas qu'ils bougent. D'accord. Et puis c'était une erreur, parce que quand on le transportait pour les concerts, les tuyaux, ils se remontaient, puis ils étaient coincés, ils redescendaient mal sur leur... Tandis que là, ils sont libres. D'ici aussi, quand on va les transporter, éventuellement, ils vont tourner. D'accord. Alors, il faut après, tous les remettre. Les tourner pour que la note apparaisse devant. Ils sont tous marqués avec la... Oui, oui, mais la bouche est devant. Ah, le son sort devant. D'accord. On va là-bas. Ah oui, il y a ça. Et donc, quand ils ont bougé un petit peu, si on l'a transporté, on les remet tous bien d'aplomb en face, comme ça, tu vois. D'accord. Et après, quelquefois, s'ils sont un peu désaccordés, quelquefois, il suffit de tourner un tout petit peu par rapport aux autres, et ça y est. Et c'est bon. Faut pas grand-chose, hein. Il va tourner, ça, c'est sûr. Non, 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 il va pas. Tu vois le système, quand tu appuies sur une note du clavier, ça fait baisser la soupape. D'accord. Qui envoie l'air dans toute une laie qui va jusqu'au bout du sommier là-bas. Oui. Ouais, l'air arrive au pied de tous les tuyaux, si tu veux. Et là, avec les registres, quand on les tire, on met tous les trous en face, ou on les met à côté, ça fait qu'on n'entend pas ce jeu-là. Ah, d'accord. Ah oui, parce que le clavier se déplace, c'est ça ? Non, c'est le registre qui se déplace, c'est ça, tu vois. Ah oui, oui, ok. Alors là, il serait fermé, admettons, oui. Et je tire, tous les trous vont tomber en face. D'accord. Donc il pourra recevoir de l'air. Ah oui, voilà. C'est ça, quand tu tires les tirettes alors. Voilà, je tire la tirette, ça va mettre... Donc ce jeu-là, il a deux tuyaux qui jouent en même temps, toujours. Ah oui. Ils sont sur les harmoniques, hein, mais d'accord. Ils jouent en même temps. Ça donne un son clair. Voilà. Puis les plus petits, tu vois, les plus petits, ils sont là. Sur des minus, hein. Ouais. Les petits sifflets. On n'imagine pas qu'il y en ait autant là-dedans. Pareil, celui-là, s'il est un peu... Il y en a 324. Oh, mais ça ne dit tout, je crois, puisque ouais, c'est ouais. L'accord, ça s'ouvre, on l'a mis comme ça, tu vois, check, exprès, soit, ouais. C'est bon. Comme on va le réaccorder, on verra bien ce que ça va donner. Hein. Attends, c'est musique. 324 accords, tu veux faire, alors. Ah oui, il faut les prendre un par un, tout. Et souvent, à revenir, il y en a pour une journée. Hein. Oui. Ouais. Mais enfin, il y en a qui ne sont pas trop désaccordés. Là, il n'est pas en un triste état. Il y a le pire. Hein. Ouais, là, c'est peut-être pas... Quand tu finis. Oh, je faisais d'habitude. Hein. Je suis... Ah mais non, je ne suis pas dans le bon sens. Pour ça.
Ah, c'est tout qui a un sens. Si, tout oui. a un sens. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, ça a un ouais, sens. Sauf. T'as vu certains. Ça, c'est système breveté, Philippe. Oui, oui. C'est oui. pour fermer les cages à la fin. Réglame. C'était le truc. Tu vois, ça sert. C'est là. C'était les trucs de cage à la fin. T'avais plus de serre-joint. J'ai plus. N'avance pas plus jusqu'au. Jusque là, tu vois. Le problème. C'est un tiroir secret. Il faut faire attention de ne pas. Tu vois, là ça passe pas toujours bien. Ah, oui, oui, d'accord. Alors il faudra les. Bah, il faudrait les. Oui, je les montre. Attends, bon, moi je les appuie. On va tous les lever parce que. On va tout y casser là. Tu vois, c'est une petite erreur qu'il a fallu que je fasse. C'est une encoche en biais pour qu'on puisse les passer par en dessous. Ouais. Alors il faut lever tout ça, attends, tu vas voir. Non mais attends, je me tombe. Si tu fais ton truc en biais là, ça va le faire, parce que tu peux le lever. Ah oui, bah, il suffit de prendre une règle, la fameuse règle. Et... C'est vrai, on va s'enrhumer là. Voilà. Si on est là, en dessous. Ah zut. Alors je vais passer de l'autre côté, bouge pas. Chacun son côté. Ah ben c'est encore mieux si tu le fais par là. Voilà. Oui, 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 je pense. Voilà. Tu vas tout lever ces barres là. Ah ben je peux faire les barres. C'est les baisser qu'il faut. Attends. Faut que je lève ça, regarde. Je peux pas lever plus que ça. Ben c'est bon. Et ça passe en dessous. Voilà. Normalement, on l'a fait je sais pas combien de fois ce truc-là. Fais gaffe parce que à ta main droite, là, il y en a qui sont levés, là, là. La 51, voilà. Attends, au milieu, il y en a qui sont levés, là. La 524. Vas-y. Oh putain, t'as bourriné, là. Attends. Ah, ça y est. Ils sont dessus. Oui, ils sont. Ah, ouais. Il y en a peut-être un là qui est. Pas plus. Celui-là il est bien dessus, ouais. Ouais, c'est bon. On va faire un petit peu de tapotage pour qu'il se mette en place. Voilà, flûte à cheminée, le son de ça. Ah oui, c'est joli. Ah voilà, les soufflets, tu vois. D'accord. Alors tu vois, celui-là, il avait 4 soufflets. Ça veut dire qu'il avait 4 souffleurs. Et il faisait ça avec les pieds, avec les jambes. Non, non, il soulevait les... Ce sont des leviers, ah, des fait, leviers, hein. D'accord. Des leviers à baisser, d'accord. À soulever et à baisser. Ah, alors tu les soulèves, puis après il retourne. Ça, c'est comme les soufflets de forge, quoi. D'accord. Moi, je pensais qu'il ferait, tu sais, avec les pieds. Ah, il y en a aussi. Ça existe aussi. Ça existe aussi. Donc, quand Jean-Sébastien Bach ou un autre voulait jouer à son époque, et ben, il fallait qu'il y ait des souffleurs. Oui, d'accord. Puis s'il n'y avait pas d'électricité pour. Oui, c'est fabuleux. Maintenant, on a les moteurs, alors ça va tout seul. Hein. On vient quand on veut, on fait ce qu'on veut. Donc, on a un grand orgue, on a vu de l'intérieur. Attends, on a vu pas le. Comment c'est plié ça? Voilà, c'est dingue ça, mais j'ai pour monter des lits. Oh la vache! La mettre en face. C'est quand même incroyable, tout à la plume, hein. Tout dessiné. Oui, c'est oui, on va c'est de la gravure. Oui, oui. Sur plaque de cuivre. Oui. C'est incroyable.
vois la perspective, comment c'est fait. Et tout, non, alors tous les tuyaux étaient au-dessus de... Parce que l'organiste, il est... L'organiste, c'est de l'autre côté. Ça, c'est l'arrière. Ça, c'est derrière, oui. Mais il est en bas et tous les tuyaux sont au-dessus. Ah oui, il est là, sur 3-4 étages au-dessus. Ah, hein. Mais il y a combien de... Comme dit, hors de 16 pieds, il y a combien de tuyaux là-dedans? Tu vois, là, alors là, le souffleur, il est tout seul. Ça veut dire qu'il lève un soufflet, il lève l'autre, après il se déplace comme ça? Oui, oui, on pourrait mettre ces tuyaux sur le grand orgue. Il n'y aurait pas de problème. Ils n'ont pas été harmonisés pour ça, si vous voulez. Quand on parle d'harmonisation, c'est harmoniser l'ensemble de l'orgue, d'un jeu d'orgue qui soit égal depuis le grave jusqu'à l'aigu, qui est une continuité, et harmoniser aussi tous les jeux, les uns avec les autres, qui est une cohérence entre tout ça. Alors sur l'orgue, on ne peut pas jouer tout parce que c'est un petit orgue, c'est un très petit orgue. D'abord, il n'a qu'un clavier. Mais je l'ai coupé en deux pour avoir une partie grave, une partie aiguë, ce qui permet de jouer certaines pièces, surtout espagnoles. Mais on peut faire de l'improvisation à la main gauche, faire des basses, et à la main droite, faire tout un chant. Donc ça permet de faire certaines choses. Les claviers coupés entre le si et le do. Là, il fallait faire un choix aussi à l'endroit où on allait couper le clavier. Et ça permet de faire... dans les improvisations, pas mal de choses. Alors, naturellement, on va entendre des choses étonnantes parce que on entend des tas de petits bruits. C'est pas forcément la mécanique qu'on entend, mais on entend des petits. C'est ce petit quintoiement qui fait la vie extraordinaire du tuyau dans l'orgue. Alors, on a toujours référence à ce jeu, le 8 pieds, le bourdon 8 pieds. Commence à rentrer dans le miracle de l'orgue, c'est qu'on va pouvoir combiner tout ça, et je vais tout de suite aller chercher la fameuse doublette de pied qui à elle toute seule n'est pratiquement pas jouable, sauf si on joue de la musique provençale pour donner l'impression du galoubet. Or, si je joue que du deux pieds, c'est un peu acidulé, mais là on va rentrer dans le miracle de l'orgue, c'est la combinaison des deux. Et à ce moment-là, on entend quelque chose de tout à fait étonnant. On crée un nouveau son. Je remets le bourdon tout seul. Je remets la doublette. On a une sorte de phare qui vient éclairer le son plus grave. Alors ça, c'est vraiment la magie sonore. Maintenant, on va continuer et aller faire un petit tour du côté des quatre pieds. Alors le quatre pieds, c'est le prestant. Alors le prestant, c'est très important puisque c'est, on va dire, le squelette de l'instrument. C'est là-dessus qu'on va accorder l'orgue. Le prestant, c'est ça. Je le compare tout de suite au bourdon précédent avec à peu près les mêmes notes. Ah, donc je mets sur la première partie de l'orgue, en bas on va mettre le bourdon, le fameux bourdon taquin et rassurant du début, et à présent je vais aller chercher le bourdon et la doublette, et on va pouvoir envisager de se promener avec, on va dire, une basse toujours un peu chêne rassurant du début. J'aurais mis tout mon bourdon en bas et j'aurais été chercher bourdon et doublette, clavier dessus. Je n'ai qu'un clavier, mais on est très heureux comme ça. Et on a... Vous entendez derrière ces petites taquineries de petits bruits de soupape. Ça, c'est unique dans l'orgue à tuyaux. Très tranquille qui plane au-dessus des nuages, et en dessous on a cette confidence que va nous donner le bourdon. Thank you.
Là, on n'a que 5 jeux, mais c'est déjà énorme. Et on a, naturellement, vous l'avez remarqué au plan esthétique aussi, mais Philippe vous l'a déjà raconté sûrement, l'histoire de ces tuyaux en bois. Car il faut quand même préciser une chose, c'est qu'un orgue, c'est un iceberg. C'est-à-dire que ce qu'on a là-dessus, c'est le dessus de l'iceberg. On voit des choses comme un dessus d'iceberg, mais vous savez qu'un iceberg, le plus important est en dessous, il y a 90% de glace en dessous. Et bien là, derrière tout ça, il y a quelques centaines de tuyaux qui sont discrètement cachés, prêts à intervenir. On arrive à se faire plaisir avec la musique quand même.